Bonsoir. Après, comme ça, merci, merci d'être fidèle au rendez-vous. Et aujourd'hui, nous clôturons le cycle de conférences de l'État Haïdash, dans lequel nous avons abordé des problématiques très diverses, abordant donc les questions des liens très anciens entre la Turquie et l'Algérie, sans plus s'attarder sur ce que nous avons fait. On va parler de ce qu'on va aborder aujourd'hui. On a essayé aujourd'hui d'essayer d'élargir le champ et de parler d'aujourd'hui déjà, de 2023. Et de parler, on a intitulé le sujet de la conférence du jour. C'était une façon un petit peu d'élargir le champ et de parler de l'avenir, tout en parlant aussi du présent, qui est la question de la survie ou de la permanence de la culture turque ou ottomane, pour parler autrement, la survivance de la Turquie ou de la présence turque ottomane en Algérie. Qu'est-ce qui reste de nous, de Turcs ou d'Ottomans? Voilà un petit peu une question, je pense, qui mérite qu'on s'y attarde. Et on aura, je pense que il y a à peu près deux aspects dans la conférence. Il y a un aspect culturel. Et le deuxième aspect, c'est un aspect un peu plus géopolitique. Reda Haïlèche va plutôt aborder la question des relations bilatérales entre les deux pays dans un contexte de bouleversement géopolitique très important, consécutif à la guerre en Ukraine et aussi à une nouvelle politique des blocs, je pense. Géopolitique qui est en train de sortir de terre actuellement. Donc on va, ça va être, je pense, passionnant. Reda va nous analyser tout ça avec sa maestrie habituelle, avec sa culture. Et moi, je vais essayer de poser quelques questions pour qu'on puisse aborder le plus de questions possible et qu'on soit le plus large possible. Je vais commencer par peut-être une question naïve. Enfin, naïve, je ne sais pas. D'après toi, Reda, fondamentalement, qu'est-ce qui reste de nous? Qu'est-ce qui reste en nous d'Ottomans turcs en Algérie en 2023? Là, on ne va plus parler de la construction de l'État algérien en 62, tout ça, mais en 2023, qu'est-ce que l'actualité turque en Algérie en 2023? Enfin, l'actualité, c'est un pléonasme. On va commencer comme ça. Oui, ça me rappelle une de ces questions que m'avait posée une de mes connaissances, un ami. Ça remonte à il y a cela plusieurs lustres, et qui aimait bien me poser des questions sous forme naïve, comme ça je disais à chaque fois, je vais te poser naïvement une question et tu vas me répondre. Et moi, à chaque fois, je lui disais, je ne peux pas te donner une réponse naïve. C'est ça. Donc, pour revenir à notre sujet, de prime abord, quand on voit comme ça, on a l'impression que c'est un passé qui est lointain. C'est un passé qui est lointain, mais c'est un passé qu'on peut très très rapidement convoquer si nous savons le faire. Dernièrement, le mausolée de Sidi Abd al-Rahman al-Halbi a été restauré. Il est ouvert maintenant pour les visites. Et donc c'était lui qui a été un des tout premiers qui a eu l'occasion d'entrer en contact avec les Ottomans, entre guillemets, parce qu'à son époque, c'était un empire qui se constituait encore, mais il voyait la nécessité d'établir des liens avec eux, parce qu'il avait vu suffisamment à l'avance, plusieurs décennies à l'avance, que l'Algérie et toute l'Afrique du Nord auraient besoin d'eux. Donc c'est ce qui fait que cette position d'homme visionnaire
un homme spirituel, mais un homme de savoir aussi, fait qu'aujourd'hui, plusieurs souverains européens sont venus le rendre visite. Hein. Je rappelle qu'à la fin du 19e siècle, la reine Victoria était venue le rendre visite. D'autres souverains, du Portugal, d'Autriche aussi, étaient venus le rendre hommage parce que c'est un homme qui a fait preuve de son érudition et, si je puis dire, des quelques miracles qu'il a pu accomplir, entre guillemets. C'est ça. Mais en tout cas, ça a été lui qui a été un des tout premiers à la fin du Moyen-Âge et donc au tout début de la Renaissance à redonner à Alger toute la dimension qu'elle va prendre par la suite. Et cette dimension-là, on la verra très rapidement, elle va se conclure par des alliances géopolitiques et militaires. Et elle était à peu près, c'était un pays qui se cherchait, un peu comme maintenant. Donc il se cherchait un peu, qui se disait dans quelle position je vais me mettre. Et à ce moment-là, Alger cherchait une position qui lui était propre, c'est-à-dire déjà à l'époque, il y avait deux choses qu'elle cherchait. La régence, la future régence voulait garder son indépendance, tout en étant dans un cadre où elle pourrait bénéficier d'un soutien. Et ça, c'était pas évident, parce qu'à l'époque, le meilleur statut dont elle pouvait bénéficier, c'était le statut de vassal. Donc, quand les frères Barberousse vont venir s'établir sur les rivages non loin d'Alger, d'abord du côté de Djidjel, Béjaïa, à ce moment-là, bon, leur présence et leur utilité est de plus en plus mise en avant parce qu'on se rend compte que c'était un groupe d'hommes qui étaient en mesure de prêter main forte à un pays qui était basculé à ce moment-là. De quelle manière? Au tout début du XVIe siècle, la plupart des principales villes côtières d'Algérie étaient occupées par les Espagnols. Donc les Espagnols ont commencé à s'installer, à s'emparer, se sont emparés d'Oran, Alger, Mostaganem, Béjaïa, ils ont été jusqu'à Annaba, et ils avaient l'intention donc de poursuivre leur processus de colonisation qu'ils avaient commencé aussi bien en Amérique du Sud que dans d'autres territoires en Afrique. Et pour eux, une de leurs meilleures possessions, c'était bien sûr l'Algérie, le centre du Maghreb plutôt. À ce moment-là, c'était comme ça qu'il raisonnait. Et donc, les notables algériens s'étaient rendus compte que tout seul, ils ne pouvaient pas faire face donc, à un adversaire qui, de plus, était appuyé par d'autres pays du pourtour méditerranéen, parce qu'avec l'avènement de Charles Quint, en 1518-1519, Charles Quint, il avait tout un empire derrière lui. Hein. C'est, Charles Quint est considéré comme un héritier heureux, parce qu'il se retrouve à la tête de possessions dans la péninsule ibérique et tout le centre de l'Europe. Il s'est retrouvé parce qu'à un concours de circonstances, suite à un mariage entre ses parents, donc il se retrouve devenir le seul héritier à ce moment-là. Et donc les notes... À noter qu'il était l'héritier du Saint-Empire romain germanique. En plus, oui. Est-ce que tu peux nous parler juste d'un point de l'histoire? C'est pas juste le Saint-Empire, parce que lui-même est un peu, de toute façon, on se parle germanique, en même temps il est espagnol, juste pour situer Charles Quint par rapport à... Parce que c'est vrai que c'était l'empereur du monde, à l'époque il était surpuissant. Effectivement, il n'était pas nécessairement prédestiné à être empereur de territoires aussi vastes. Mais comme il y a eu un vide, un vacuum au niveau de après la mort d'Isabelle de Castille et Ferdinand, à ce moment-là, bon, il y avait un défaut d'héritier. Ils se sont mis d'accord finalement, c'était lui qui avait pris la relève et il est devenu donc l'empereur du Saint-Empire germanique. Alors le Saint-Empire germanique, c'est quasiment
toutes les anciennes possessions de Lothaire, qui était un des enfants de Charlemagne, c'est-à-dire que c'est le centre de l'Europe. Ça correspond au centre de l'Europe. Ça va de la Lorraine jusqu'aux confins de la Pologne. Et le Saint-Empire germanique se voulait être l'héritier de la Rendre. Se voulait être l'héritier de Rome. Pour situer un petit peu qui était Charlemagne. Oui, depuis quasiment le XIVe siècle. Alors, dans cet Saint-Empire germanique, bien sûr, c'est une confédération de royaumes et qui a à sa tête un empereur. Et donc, en fin de compte, les notables les plus avisés en Afrique du Nord et notamment en Algérie avaient pris conscience à ce moment-là qu'ils avaient affaire à un gros morceau, parce que le Saint-Empire germanique, ce n'est pas uniquement qu'un seul royaume, c'est plusieurs principautés, c'est des principautés, des petites royautés qui ont à leur tête un empereur qui est à la tête donc du plus grand territoire de l'Europe et qui de plus est se retrouve maintenant être aussi l'empereur d'Espagne et d'une bonne partie de l'Italie. Donc c'est quasiment la première puissance de l'époque. Et la seule puissance qui pouvait l'équilibrer à ce moment-là et qui était la puissance montante, et celle-ci elle était donc à l'ouest de la Méditerranée, c'était l'Empire ottoman, qui venait de s'emparer de Constantinople et qui de plus en plus était en train de croître. Et à ce moment-là, donc, ils se sont dit, nous, on a intérêt pour pouvoir sauver notre peau, parce qu'il était question à ce moment-là carrément de sauver leur peau, parce que quand les conquistadors espagnols s'approprient de tout le littoral algérien, à ce moment-là, ils avaient une politique de dépossession de cette ville-là et qui consistait à remplacer, donc ils préparaient une colonie de peuplement à remplacer les habitants qui étaient dans ces villes par d'autres populations venant d'Espagne. C'est ce qu'ils faisaient déjà depuis plusieurs siècles, hein, depuis le processus de reconquête qu'ils ont entamé à partir donc du 8e siècle progressivement, juste après donc la chute de Grenade en 1492. Eh bien, ils sont restés toujours dans le même dans la même dynamique, parce que c'est la suite, c'est un esprit de croisée et qui fait que, comme une bonne partie des musulmans d'Espagne se sont réfugiés ici en Algérie, ben ils ont poursuivi, parce que en venant s'installer ici en Algérie, ils ont carrément créé des villes. Je pense notamment à des villes comme Miliana, Coléa, Cherchel, Blida, c'est des villes andalouses hein, qui ont été créées par ces réfugiés qui sont venus sur place. Donc eux, avec Charles Quint, ils ont poursuivi cette politique d'expansion, et cette politique d'expansion, elle va subitement être bloquée par l'apparition des frères Barberousse, qui eux-mêmes, après avoir fait une série de coups de main, ont réussi à s'emparer de Djigel, puis à s'installer ici à Alger. Et une fois qu'ils se sont installés à Alger, les frères Barberousse, c'est eux qui ont pris la décision à ce moment-là de faire allégeance au sultan de Constantinople. Ce n'est pas directement les Algériens. C'était des intermédiaires comme ils sont venus des îles grecques, entre les Ottomans et les Algériens, en se disant finalement, d'accord, on s'est emparé d'Alger, mais le danger, il est toujours là, parce que Charles Quint, avec sa flotte, il peut débarquer à n'importe quel moment. Donc, pour pérenniser notre présence ici, en Algérie, nous avons intérêt à signer un pacte avec les Ottomans, et parce que eux aussi, ça les arrange, pour pouvoir bloquer l'avancée de Charles Quint, parce que de l'autre côté, ils se battaient aussi contre lui, du côté de l'Europe centrale. Ils avançaient leurs pions, et il y avait un mouvement des deux côtés, côté est et ouest. Je voulais juste resituer le débat, parce qu'on a commencé par Abdelrahman Thahabi, puis on est reparti sur Charles. On a commencé par lui, voilà. Et juste après Abdelrahman Thahabi, on a Charles. Voilà. Mais voilà. Je voulais revenir sur, parce que là aussi, on va traiter aussi l'actualité. Bien sûr. On a une activité brûlante, il y a un film qui va sortir à Paris, c'est La dernière reine, qui parle justement de 1515, 1516, 1517, 1518, l'histoire du dernier roi d'Alger, tout ça. Et ça fait aussi partie. La dernière reine, oui. Ça fait partie de... C'est ça, le dernier roi d'Alger. Non, mais oui, ça parle de Selim Toumé et de sa femme, son épouse.
Ça fait pas mal. Et ce que je... c'est pour ça que la question me paraît intéressante, parce que là, on est en plein questionnement. Le questionnement du rôle des Ottomans, enfin de la Turquie, ou on va dire de la conquête, non, mais de l'arrivée, de l'avènement des Turcs ottomans en Algérie. Et d'après ce que tu nous as dit, ce que tu nous as dit de la situation faite de l'histoire-fiction, les Espagnols auraient commis les pires exactions en Algérie comme ce qu'ils ont fait au Pérou, au Mexique, détruisant des civilisations extraordinaires comme les Incas ou les Mayas. C'est ce que tu disais. L'Espagne était sans pitié avec les peuples sud-américains et l'Algérie aurait pu, le peuplement maghrébin de l'époque aurait pu disparaître si l'Espagne allait envahir l'actuelle Algérie. C'est à ce moment-là que les frères Barberousse, toi, tu les vois comme vraiment des sauveurs. Quoi. Ils sont venus en tant que... Alors, ce n'est pas nécessairement une vision personnelle, mais d'autres acteurs de la scène politique algérienne qui sont mieux placés que moi, je pense à l'un d'entre eux qui a adhéré à la révolution algérienne en 1956, ça a été Taoufik Madani. Taoufik Madani est d'origine ottomane, d'origine turque. Et donc, en étant un des présidents de l'association des oulémas, il a porté sa caution à la révolution algérienne en disant, voilà, c'est le seul des dirigeants algériens qui revendique ses origines turques. Tous les autres sont restés assez discrets sur ça. Mais Taoufik Madani, quand il va... donc soutenir la révolution algérienne, il va dire que il va parler de ses origines turques et il va mettre l'accent sur l'apport des Turcs donc au Maghreb et notamment en Algérie, en disant que l'apport turc en Algérie a été en quelque sorte fortement contesté par plusieurs historiens européens. Ils ont contesté cette présence-là parce que ces historiens européens sont là pour légitimer la colonisation française. Et que la meilleure façon pour eux de légitimer la colonisation française, c'est de dénigrer la présence turque. Donc c'est lui qui le dit, en fait, le Madani. Et à partir de ce moment-là, lui, il va dire, voilà, la présence turque, il va parler d'un certain nombre d'aspects fondamentaux qui ont structuré la société algérienne de tous les jours. Je pense notamment aux biens de main morte, hein, les biens wakf, que les Turcs ont mis en place et qui servaient en quelque sorte de régulateur pour faire face à la pauvreté, pour prendre en charge les indigents dans les villes algériennes, parce que la quête et sa quête servaient à aller directement pour alimenter les caisses de la mosquée qui, elles, se chargeaient de s'occuper donc des gens qui étaient, par exemple, les indigents, les mendiants, ne laissaient personne, en quelque sorte, crever de faim. Parce que là, c'est un des principes de la religion musulmane, c'est-à-dire s'assurer qu'il y ait un minimum d'équité, et elle jouait ce rôle que peut jouer aujourd'hui le croissant rouge, par exemple. Et ce sont les Ottomans qui l'ont institué en Algérie. Il y a un deuxième aspect, il y a un certain nombre, par exemple, il y a des travaux qui ont été menés pour doter les villes algériennes, et notamment Alger ici, à l'époque c'était la Casbah, d'un certain nombre de fontaines, des travaux d'aqueduc notamment, pour alimenter la ville d'Alger, et qui fait que si on prend la Casbah, El Biar et l'Alger de 1830, en gros, ils ont construit l'équivalent de 200 fontaines. Et beaucoup de puits, et qui fait que finalement à ce moment-là, quand les Européens ils arrivent ici en Algérie, une ville moyenne comme Alger, bah, c'était une ville qui avait son propre réseau donc d'hygiène, et c'était une ville qui était plus propre que Londres, par exemple. À Londres en 1858, Londres, des mesures d'urgence ont été prises parce que à ce moment-là, au cours, il a fait plus chaud que d'habitude. À ce moment-là, cette année-là, 1858,
il y avait eu des maladies qui se sont manifestées, et puis surtout les écrivains anglais de l'époque, qui pensent, voilà, comme les habitants de Londres, disaient que partout où on allait dans la ville de Londres, ça sentait l'urine, parce qu'il n'y avait pas un système d'égout. Alors qu'ici, à Alger, c'était le cas. Il y avait un minimum, disons, d'hygiène, il y avait un minimum d'ordre qui régnait ici, et qui faisait que, en fin de compte, par rapport à des villes comme Londres, ou même une ville comme Paris en 1830, une ville comme Paris en 1830, c'était une ville qui était insalubre. Il a fallu que ce soit le baron Haussmann qui mène des travaux de réaménagement à partir du milieu du 19e siècle pour construire de grandes avenues larges qui puissent permettre d'abord aux autorités d'intervenir pour réprimer les populations. Parce qu'avec les petits faubourgs qui existaient à l'époque, comme le faubourg Saint-Antoine, c'était des ruelles qui étaient escarpées, qui faisaient que donc, les forces de l'ordre, en cas de révolution, ne pouvaient pas intervenir facilement. Parce qu'il faut savoir que Paris, elle a connu plusieurs révolutions. La première, 1789, la deuxième, les Trois Glorieuses, en 1830, puis une autre, en 1848, sans oublier celle de... la Commune de 1870, mais qui n'est pas considérée comme une révolution à part entière. Bref, et comme c'est une ville qui bouillonnait Paris, et ben à ce moment-là, le baron Haussmann a décidé donc de la réaménager pour des raisons sécuritaires, pour des raisons d'hygiène et pour améliorer le confort de vie. Mais en 1830, le baron Haussmann qui était sous l'autorité de l'empereur Napoléon III. Il a élargi les voies à Paris. Des manœuvres de l'armée. Ah bien sûr, oui, tout à fait, oui, exactement. C'est pour ça que ça a été fait. Mais question, je dirais, de salubrité publique ici. Les Ottomans, ici à Alger, je parle d'Alger parce que nous y sommes, donc il y avait eu des travaux qui ont été faits pour notamment acheminer l'eau, parce que Alger dispose quand même, il y a beaucoup de rivières et beaucoup de sources qui viennent de Bouzaria vers... il n'y a qu'à voir la toponymie. Bien sûr. Mais très hydraulique, très aqueuse. Exactement. Et eux, ils ont su l'exploiter, et surtout qu'ils ont profité, par exemple, de l'arrivée des Andalous, parce qu'en matière d'agriculture et d'exploitation de l'eau, ils savaient comment s'y prendre pour réaménager à ce moment-là au XVIe siècle, et qui a vu le nombre de ses habitants augmenter de manière exponentielle. Ils ont plusieurs dizaines de milliers d'habitants de plus, parce que donc, ce nouveau pouvoir s'était installé pour améliorer donc les conditions de vie de tout un chacun pour pouvoir disposer du soutien de la population. Je voulais revenir avec toi sur le plan spirituel. Tu as parlé de cet attachement à lui. Je voulais que tu nous dises quelle est véritablement l'influence des Ottomans et des Turcs en général sur la structure, on va dire sur la culture islamique ou la structure de l'islam en Algérie. Quels sont les apports, par exemple? On a pu parler d'un apport, par exemple, sur le plan des confréries. Est-ce que, par exemple, il y a des confréries très très puissantes qui sont nées en Turquie? Est-ce qu'elles ont eu une influence en Algérie? Est-ce que, par exemple, je sais que l'apport des hanifites était important. Enfin, le hanifisme nous vient de Turquie. Et, on a érigé le Cem Hacdin, qui était un Cem Hadorit hanifite, à l'actuelle place des martyrs. Quels ont été les changements et qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui subsiste de la... Parce que même l'islam en Algérie est quand même un islam assez diversifié, quand on voit des Mousabis, quand on voit des... Il y a d'autres halifites. Comment toi tu vois l'influence de la Turquie dans la structuration de l'islam algérien? Alors, l'influence ottomane ou turque, elle sera relative, mais prégnante quand même. Parce qu'il y avait à ce moment-là une oligarchie turco-ottomane qui était présente, et les familles algériennes qui sont d'origine turque, pour la plupart d'entre elles suivent le rite hanifi jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, c'est ça qui les caractérise. Le rite hanifi, il est proche, c'est l'école juridique la plus ancienne.
autres que les malikites, les chafirites et les hanbalites. Alors les hanifites, c'est une école juridique qui est proche de par sa philosophie du rite malikite, mais elle se veut en quelque sorte un peu plus souple sur certains aspects. Moins rigoriste, donc. Nous, on comprend ça, on considère que c'est du rigorisme, mais eux, ils voient ça sous un autre angle. Ils considèrent qu'il faut qu'il y ait un peu plus de pragmatisme. Bref, c'est sur de petits détails, ça se joue sur ça, mais il n'en demeure pas moins que le hanifisme, cette école juridique, elle s'est installée donc ici en Algérie, mais elle n'a jamais été minoritaire et elle est restée uniquement au niveau des élites turques ou bien aux familles mixtes, les Gourougli par exemple, c'est-à-dire les soldats ottomans qui se sont mariés avec des Algériens. Mais il n'en demeure pas moins que cette école juridique, elle sera admise en Algérie jusqu'à maintenant, elle est. Et les Ottomans ne vont pas chercher à l'imposer, sachant que ailleurs, quoi qu'on dise au Moyen-Orient, les Ottomans ont été en conflit avec leurs voisins perses, que la dynastie Séfévite, qui va opter pour le chiisme. Donc ça, c'est une autre paire de manches. C'est une religion d'État, à partir du XVIe siècle, oui. Ils ont deux adversaires, les Turcs, au XVIe siècle. En Méditerranée, ils se battent contre le Saint-Empire germanique avec Charles Quint. Et s'ils n'arrivent pas à prendre le dessus sur Charles Quint à un moment donné, parce qu'ils ont la puissance, c'est que la moitié de leur force, ils la réservaient derrière eux pour contrer les Séfévites, qui ont choisi le chiisme duodécimain comme religion. Donc, et eux, les Ottomans, ils vont développer davantage le dogme sunnite. Sauf que dans le dogme sunnite, il y a différentes écoles. Différentes obédiences. Oui. Alors, ces obédiences-là, ils sont intolérants. Ils sont intolérants, même si eux-mêmes, les Turcs, ils sont halifites. Quand ils arrivent ici en Afrique du Nord, ils savent bien, et ceux qui les ont reçus, la majorité des Algériens, qu'ils soient berbères ou arabophones, sont du rite malikite, et jusqu'à maintenant. Mais cette caractéristique-là, ils vont la garder, les familles algériennes d'origine turque, on va la garder jusqu'à maintenant. Et même parmi l'immigration algérienne qui est à l'extérieur, il y a une immigration algérienne avec des familles qui sont d'origine turque. Dans une ville comme Londres, par exemple, ils fréquentent la même mosquée. C'est la fameuse mosquée Souleymaniya qui se trouve à Londres et qui est de rite hanifite. Donc, il y a très très peu d'antagonisme entre ces obédiences. Il n'y a pas d'antagonisme. En fait, c'est très peu différent. Non, il n'y a pas d'antagonisme parce que le sunnisme se caractérise et admet quatre écoles juridiques. Quatre écoles juridiques. On peut considérer toutefois que certains théologiens l'ont rapporté qu'il y aurait peut-être une cinquième école juridique qui se trouve du côté du Yémen avec les Haïdites. Parce que les Haïdites sont à cheval entre les chiites et les sunnites. Point d'interrogation. Mais officiellement, il y a quatre écoles juridiques au sein du sunnisme, et les Turcs, eux, sont de rite hanifite. Donc ça, c'est un premier élément qui indique que c'est un élément culturel qui est propre à eux. Le deuxième élément, c'est la langue qui était utilisée. Et ici, en Algérie, c'était l'osmandi. Donc avec une forte influence de mots arabes qui était utilisée par l'administration ottomane en Algérie. Mais toutefois, l'arabe algérien était considéré quasiment comme une langue à part entière. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle maintenant l'arabe médian, parce que l'arabe algérien n'était pas considéré par les Ottomans comme étant un simple dialecte. Pour eux, c'est une langue, c'est ce qu'on appelle l'arabe médian, c'est entre le dialecte, la langue de la rue, et l'arabe littéraire. Et donc, cet arabe algérien était utilisé également dans l'administration, et il était reconnu par les Ottomans, et c'est
là où on voit justement que à cette époque-là, il y a eu quand même un développement de la personnalité algérienne, parce que c'est sous les Ottomans que les villes en Algérie ont commencé petit à petit, mais uniquement les villes, à être majoritairement arabophones, et que l'arabe algérien était considéré comme une langue à part entière. C'était mot véhiculé. Oui, oui, exactement. C'était la langue vernaculaire, et les Turcs parlaient donc les deux langues. Ils parlaient la leur, et ils savaient parler aussi la langue du pays. Tu me vois, je vais te poser la question. Oui. Du comment, du pourquoi de la défaite du Osmanli, parce que l'Osmanli a totalement disparu. Je veux dire que le Turc a disparu de la surface algérienne après le départ, après 1830. Oui, c'est, pourquoi ? Mais justement. Est-ce que c'est à cause du statut de cette langue algérienne qui était en parallèle au Osmanli ? Apparemment, l'Osmanli était une langue de la haute administration de la Sublime Porte. C'est là où on voit, c'est justement c'est sous cet aspect-là, où on voit que la présence turque en Algérie, que les Turcs n'étaient pas des colonisateurs. Parce qu'il n'a pas voulu imposer une langue quelconque, que ce soit le turc ou une autre langue, et qu'en plus de ça, ils ont toujours accepté les particularismes locaux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'était un empire, dans un empire, il y a plusieurs langues. Et donc, ici, on parle algérien, ailleurs, on parle serbe, et c'était le cas de l'Autriche-Hongrie. Et l'Autriche-Hongrie. Et donc, le lien qui existait entre toutes ces langues vernaculaires, c'était la langue de l'administration ottomane. Donc, l'important, c'est qu'il puisse y avoir une administration qui fasse allégeance au sultan calife, et à laquelle l'ensemble de ces peuples prêtent allégeance. Mais maintenant, si ces peuples prêtent allégeance, ils gardent quand même leur particularisme local. Ils n'étouffent pas, ils ne relèguent pas. Donc c'est pour ça que l'Algérien, sous cet angle-là, culturellement, on peut dire qu'il y a eu un développement. La personnalité algérienne s'est développée, elle n'a pas été enquistée ou étouffée. Et les Algériens, donc si c'était si l'Algérien devenait un administrateur, bon, il devait savoir utiliser le turc osmanli, et qui était le turc osmanli utilisait les caractères arabes. Donc, mais en même temps, l'arabe maghrébin ou l'arabe algérien était pleinement reconnu comme une langue à part entière. Donc c'est un point qui est extrêmement important et sur lequel il faut y revenir, parce que lors d'une émission, la dernière émission à laquelle j'avais participé, Algérie 24, il se posait la question, est-ce que les films algériens que nous allons projeter au Moyen-Orient et dans le pays du Golfe, est-ce qu'ils vont les comprendre ou pas? Moi, je leur ai dit, c'est pas un problème s'il y a un sous-titrage en arabe ou en français. L'important, c'est que le public arabe au Moyen-Orient puisse être preneur. Et s'ils sont preneurs, le reste, c'est juste une question de concept qu'il faut adapter. Très important. Mais ne partez pas du principe que votre langue n'est pas une langue. Parce que ne pas reconnaître que la langue maternelle n'est pas une langue, quelque part, c'est un dénigrement de soi. C'est un dénigrement de soi. Il faut clairement dire les choses. Or, ce dénigrement-là n'existait pas à cette époque-là avec les Ottomans, parce qu'il y a eu une association, en fait. C'est une alliance. L'un a besoin de l'autre. Donc personne ne veut étouffer ou s'imposer pleinement 100% vis-à-vis de son adversaire. Et il y a eu des marches qui ont permis aux Algériens de... quoique ils étaient sous un protectorat à l'époque, mais c'est réellement un protectorat qui leur permet d'exister culturellement. Il y a un facteur linguistique dont on n'a pas parlé, qui je pense est important à Alger, c'est la lingua franca, c'est-à-dire la langue, on va dire, une sorte de langue sabir méditerranéen qui était en usage dans le port d'Alger. Je pense qu'il y avait son importance, l'importance aussi de la course, de la piraterie donc. Quel était est-ce que c'était aussi une des bases linguistiques d'Alger, une ville qui prenait de l'importance? Comment tu voyais, toi, la cohabitation avec l'arabe dont tu as parlé, l'arabe administratif, l'osmanli, et puis cette lingua franca où il y avait cet état mélange de plusieurs langues méditerranéennes,
mélange assez étonnant, si tu as lu ou si c'est le nom du commerce. Quoi. Oui, la ligne franca a été utilisée par, si je puis dire, un certain nombre de professions, à savoir les gens qui étaient concernés par les activités maritimes, les pêcheurs, les corsaires, pourquoi pas les pirates, et aussi les marchands, la marine marchande. C'était eux qui avaient recours à cette langue-là. Ça restait quand même une langue, si je puis dire, technique, qui permettait aux gens qui de la pratiquaient de faire passer un certain nombre de messages, mais son usage était quand même très limité. Il était limité uniquement au port, et je dis bien au port, pas au fil portuaire, de manière à ce que les échanges puissent se faire. Maintenant, tu as soulevé la question de la présence des corsaires ainsi que des pirates. Donc, les deux activités existaient, mais elles sont différentes. Parce que l'activité qui est liée à la course et aux corsaires, comme Adjadi et d'autres corsaires, le corsaire, il est reconnu par l'État. Pourquoi ? Parce que l'activité de la course, lorsque un navire était arraisonné donc au large de la Méditerranée ou dans l'Atlantique, le butin donc était ramené ici à Alger et il était on l'emmenait directement chez le Khaznaji, c'est-à-dire le trésorier, et à ce moment-là le butin était réparti. Les corsaires prenaient une partie pour eux et le reste était mis à la disposition de la régence. Donc cette pratique-là, c'était la même, aussi bien ici dans la régence d'Alger qu'en France ou en Angleterre. Parce que tous ces pays-là avaient des corsaires qui travaillaient pour eux et les activités qui étaient liées à la course étaient des activités légales. C'est exactement comme un commerçant qui avait son registre. Et à partir du moment où son registre est là, il sait très bien qu'il a des obligations et des obligations contractuelles vis-à-vis de l'État dont il est ressortissant. Par contre, dans le cas de la piraterie, c'est différent. La piraterie, en quelque sorte, ce sont des clandestins qui se livrent à des activités de course, mais ils ne sont pas immatriculés, ils agissent pour leur compte, et s'ils arrivent à mettre la main et avoir le butin, il sera pour eux. Mais gare à eux, parce que s'ils tombent par exemple sur des agents ou sur une armée ou sur si l'État, un État concerné tombe sur eux, ils risquent d'être de passer par un châtiment dur. Donc il y a une distinction entre la course qui est réglementée et reconnue au sein des États et la piraterie qui est une activité je dirais clandestine et qui elle par contre n'était reconnue par aucun État. C'est pour ça que par la suite les historiens européens quand ils vont parler et essayer en quelque sorte de légitimer l'intervention de 1830, souvent vous entendez dire il y a eu une intervention, Charles X a décidé d'envoyer la marine à Alger pour mettre fin à la piraterie donc en Méditerranée, que la région d'Alger se livrait à des actes de piraterie. En fait, ce n'est pas comme ça que les choses se présentaient. En 1830, il n'y avait quasiment presque plus de piraterie en Méditerranée. Il y avait encore la course qui existait, mais la régence ne se livrait plus tellement à des activités. La piraterie n'était plus un fléau. Et les esclaves, ainsi que les captifs qui sont le produit donc, de cette course et de cette piraterie, ça c'est une lecture qui était valable au XVIIe et XVIe siècle, mais plus au XIXe siècle. On avait changé déjà d'époque à ce moment-là. Donc il fallait légitimer l'intervention et l'invasion et la prise d'Alger en disant « voilà, les Européens ont décidé de mettre fin à la piraterie ». Et accessoirement, on parlera d'esclavagisme, alors que là, ce sont des anachronismes. En 1830, ce n'est plus le cas, parce que depuis le début du 19e siècle, l'activité, la piraterie en Méditerranée a quasiment disparu.
Je voulais qu'on fasse un saut historique. C'est proche de nous, il y a eu des travaux de confortement des minarets de Kitchao, une des mosquées emblématiques de la Kasbah, enfin, de la basse Kasbah, qui, dont l'origine, enfin, de construction ottomane, était redevenue église, enfin cathédrale à l'époque française, redevenue mosquée après l'indépendance, donc elle avait une histoire assez riche. Et je sais qu'il y a eu le concours de nos amis turcs qui sont venus justement conforter les deux minarets et qui les ont sauvés de la destruction. Et ça c'était quelque chose d'assez marquant, que la Turquie revienne, fasse ce travail de confortement de deux minarets. Ça a été pour moi une sorte de... j'en ai fait une lecture aussi un peu politique, où la Turquie revient de plein pied dans la Kasbah, en confortant des deux minarets assez emblématiques de l'entrée de la Kasbah. C'est quelque chose qui a peut-être un rapport aussi avec la personnalité d'un Erdogan, le retour à une vision impériale, le retour aussi, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une sorte de retour de la Turquie en Algérie, d'une manière ou d'une autre, avec l'avènement de ce nouveau sultan ou de ce nouveau néo-sultan. Je ne sais pas si tu as des éléments par rapport à ce retour, ce travail de confortement des deux minarets, c'est-à-dire cet empressement d'Ankara pour venir en aide aux Algériens pour reconstruire les minarets de Kitchawa. La décision donc de participer à la rénovation de la mosquée de Kitchawa, et dans cette rénovation-là, les deux minarets ont fait partie du projet, mais il n'y a pas eu que les deux minarets, hein. Il y a d'autres parties de la mosquée qui ont été aussi rénovées. Donc il faut savoir que la rénovation de la mosquée de Kitchawa a été prise en charge intégralement par les Turcs. C'est édifiant, ça. C'est une première, parce que je me souviens que la mosquée Pchin, aussi une mosquée ottomane, n'a pas du tout bénéficié à l'époque. Quand elle a été restaurée, c'était à la fin des années 90, début 2000, elle n'a pas du tout bénéficié du concours de la Turquie. Et là, je pense qu'il y a une vraie différence avec le Kitchawa. C'est-à-dire c'est révélateur d'un retour. Alors, de la Turquie sur le terrain algérien. En fait, la décision de rénover donc la mosquée de Kitchawa, elle intervient juste à un moment où la Turquie a décidé donc de se redéployer sur une aire régionale, en l'occurrence l'Afrique, et donc la culture fait partie du soft power turc. Ça fait partie du soft power, c'est-à-dire que soit par le biais de l'architecture, des monuments et de l'histoire, ou soit par le biais des films et des feuilletons à caractère historique, parce que la Turquie aujourd'hui, il faut savoir que c'est le premier pays exportateur de films historiques dans le monde, aujourd'hui. Parce que c'est un choix du gouvernement turc, on dit le gouvernement turc veut exporter un label culturel, et le cinéma fait partie du soft power. Le cinéma, c'est la culture. Ça fait partie, parce que c'est comme ça. Si vous voulez gagner le cœur des gens et établir des contacts avec eux... C'est le côté culturel qu'il faut mener. Et voilà, et légitimer votre présence quelque part. Si on commence par l'Afrique, et notamment le premier pays qui a été ciblé, c'est l'Algérie, pour des raisons géographiques et historiques, et ben, qu'est-ce qui légitime leur présence, notamment à travers des travaux qui sont menés pour le gouvernorat d'Alger de l'époque, disait la mosquée Kitchawa. Donc ils l'ont rénovée, c'est eux qui ont le savoir-faire, mais aussi les moyens financiers pour le restaurer, et ils l'ont fait. Donc ça a été une réussite pour ça. Ça leur a permis aussi par la suite de gagner des parts de marché. Par exemple, économiquement, ils sont présents maintenant dans le secteur textile, dans la métallurgie. Je pense aussi qu'ils sont présents, surtout, suite à cette restauration-là, les Algériens les ont sollicités pour développer davantage le secteur sidérurgique. Et donc, un grand groupe turc qui s'est installé dans l'ouest de l'Algérie. Et ce grand groupe turc produit maintenant de l'acier,
des produits manufacturiers qu'il exporte carrément vers le reste du monde et surtout, je pense, depuis ces deux dernières années, ils exportent des produits manufacturiers vers les États-Unis et vers le Canada. Et il faut savoir que dans le secteur du bâtiment américain à Philadelphie, il y a de l'acier algérien qui a été exporté et qui est de très bonne qualité. Et pour cette année, les Turcs vont exporter vers l'Amérique du Nord essentiellement l'équivalent $1 milliard de produits manufacturés. Donc ça marche. C'est-à-dire que quand ils sont... Ça marche, c'est-à-dire que c'est une démarche pragmatique. Ils ont repéré quels sont les besoins algériens, là où il y avait le déficit. Ce déficit-là a été comblé, mais en plus de ça, maintenant, ils permettent, ils contribuent à la création d'un label économique algérien qui fait ses preuves, dont on ne parle pas suffisamment, mais ils ont été dans ces créneaux-là efficaces. Donc à partir du moment où l'Algérie trouve son compte économiquement, et je dirais même culturellement, elle devrait davantage intensifier, c'est ce qu'elle va faire, intensifier ses échanges, même si, d'un point de vue culturel, l'Algérie reste frileuse, parce que les films historiques, par exemple, qui glorifient l'Empire ottoman, ne passent pas sur les chaînes publiques algériennes. Parce que les autorités publiques algériennes préfèrent rester, elles sont un peu... Étant donné qu'il n'y a pas eu suffisamment de débats en Algérie, que l'Algérie s'est réappropriée son indépendance, elle a défini donc son identité à travers sa berbérité, son arabité, mais ses relations historiques un peu plus anciennes, ce n'est pas encore clairement établi. Algérie s'est contentée des quelques grands feuilletons romantiques turcs. Romantiques. Dont je me rappelle de Mohamed qui est... Oui, oui. Il reste dans le domaine du romantisme, alors que les chaînes privées, elles ont récupéré les... c'est sur des chaînes privées algériennes que passent les films historiques. Ou sur Netflix, mais on peut voir les... Oui, beaucoup sur les chaînes privées. Beaucoup sur les chaînes privées. Pourquoi ? Parce que étant donné qu'il n'y a pas eu de débat de fond encore, à l'intérieur, entre historiens algériens, pour vulgariser cette présence ottomane et qu'elle continue. Moi, par exemple, je me rappelle très bien, je devais passer pour parler de cette période-là, c'était en 2016 sur la chaîne 3, et puis la veille, celui qui devait me passer sur la chaîne m'a appelé, il m'a dit, le directeur m'a dit arrête. Ils ne savent pas, ils ont peur de déplaire un certain nombre de pays, quitte à ignorer leur propre passé. Ils restent assez, je dirais, comme de simples exécutants. Heureusement que depuis 2016, quand même, il y a eu un travail de fond qui a été fait et que cette ignorance-là recule. Parce que justement, pour faire reculer cette ignorance-là, ça passe par la vulgarisation, ça passe par... je dirais des cercles de rencontres où les uns et les autres peuvent se voir, où ils peuvent s'échanger des informations, où ils peuvent faire des regroupements, ils peuvent vérifier ce que l'un et l'autre dit et ne pas se contenter uniquement que d'attendre, parce qu'il n'y a aucune raison que si la Turquie elle arrive à établir son soft power à travers donc ses produits culturels, l'Algérie aussi doit en faire de même. Mais pour cela, elle doit absolument rompre avec tout attentisme ou toute, je dirais, toute méfiance. Vous savez, en 2007, lorsque le président Bouteflika, il avait reçu Nicolas Sarkozy à l'aéroport, donc lors de leurs échanges, il lui a fait part d'un certain nombre de confidences privées en lui disant « Ah, monsieur le président Sarkozy, nous ne savons pas qui nous sommes, nous, les Algériens. Nous ne savons pas qui nous sommes. » Quand même. Il suffisait tout simplement de relancer ce chantier-là. Pourquoi est-ce qu'on attend de Sarkozy pour que puisse, lui, Sarkozy, nous expliquer qui nous sommes ? Avons-nous besoin de ça ? Pourquoi ? Parce que les débats ont été cloisonnés. Et je dirais même que ça ne relève pas du champ politique, non.
c'est la conscience mémorielle. Le festival du film Aflem, qui est passé à Marseille sur le cinéma arabe, c'est un festival qui a été consacré à deux thèmes qui sont liés l'un avec l'autre, c'est l'oubli et la violence. C'est en oubliant qu'on finit par retomber dans la violence, parce qu'il y a des symptômes comme ça qu'on ignore. C'était absolument pas le cas. D'abord, il aurait fallu que, par exemple, une action forte soit menée pour restaurer tout ce qui relève de la culture et de l'art, et notamment, parce qu'il y a toujours une certaine méfiance vis-à-vis des autres cultures, parce qu'on considère que c'est des gens qui vivent dans une autre sphère. Et qu'à un moment donné, on préfère faire du populisme. Et que le populisme, c'est plus près des réalités de la nation. Mais non. Dans une nation, il y a différentes tranches, il y a différentes catégories de personnes. Chacun a son domaine d'occupation. Mais quand on... Les artistes font des mauvais militants. Pas nécessairement de mauvais militants, ce sont uniquement des gens qu'on utilise quand on a besoin d'eux, ponctuellement. Mais nous ne sommes pas prêts à les reconnaître pleinement, alors que s'il y a bien un secteur où l'Algérie n'a jamais sombré, ça a été le secteur de l'artisanat, parce que au XIXe siècle, quand l'Algérie a été colonisée, elle a trouvé un secteur artisanal florissant. Elle a toujours eu des artisans, et jusqu'à maintenant... Tu veux dire la France, toi ? Oui, bien sûr. Oui. Un secteur artisanal qui était là, qui s'était maintenu et qui vaille que vaille, a pu maintenir aussi l'identité algérienne à travers sa production. Et ce secteur-là s'est maintenu jusqu'à maintenant, hein, si je puis dire. Quand on parle d'artisans, on parle aussi des artistes. Ça va de pair. Et les artistes étaient toujours considérés là aussi comme étant en quelque sorte comme des mercenaires dont on fait appel lorsqu'il y a des dirigeants étrangers qui viennent, quand il y a des manifestations comme ça, mais sans plus. Mais alors que normalement, ils devraient avoir, si on les compare par exemple aux footballeurs qui sont grassement rémunérés dans notre pays et qui n'apportent pas une plus-value, je dirais, d'un point de vue intellectuel, il y a un hiatus. Donc, alors que ce sont les artistes qui ont contribué largement à faire connaître la personnalité et les revendications du mouvement révolutionnaire algérien pendant la Révolution. Donc on fait appel à eux quand on a besoin d'eux, et puis par la suite, ce sont des gens qui vivent dans une sphère. Oui, mais ces gens qui vivent dans leur sphère, ils ont besoin toujours de faire un travail de réflexion et qui nécessite d'être pleinement soutenu et reconnu, ce qui n'est pas le cas. Les Turcs, eux, l'ont fait, parce que la Turquie ne peut pas prétendre aujourd'hui avoir un soft power en s'appuyant uniquement que sur une élite scientifique pour fabriquer, par exemple, des Bayraktar ou pour fabriquer des avions de guerre pour les exporter ou les vendre. Ça ne suffit pas. Ouais, ça, c'est des drones. Les drones, oui, pardon. Oui. Donc, un pays doit disposer aussi bien d'une élite scientifique que d'une élite culturelle. Donc, il s'appuie sur... C'est le fameux combat de Gramsci. Gramsci, on sait pas, c'est faire la lutte culturelle, une lutte d'influence. Enfin, le terrain culturel, enfin, il y a l'autre terrain que le terrain politique. C'est tout l'avantage que la diplomatie algérienne peut tirer de ça, parce qu'une diplomatie qui ne s'appuie pas sur un vivier culturel, la portée de sa voix est limitée. Parce que ça ne peut pas se limiter uniquement qu'à des rencontres conjoncturelles entre des diplomates ou des militaires qui vont se voir, qui vont se saluer, qui vont manger ensemble, et puis chacun va rentrer chez lui. Alors que si c'est appuyé par un vivier culturel, la façon de voir et la perception que ces pays peuvent avoir de l'Algérie va changer. Et c'est ça qui va permettre à l'Algérie de retrouver sa dimension. Quand tu as évoqué le soft power, je voulais aussi que tu nous parles un petit peu de la personnalité de Erdogan, qui est quand même très très spécial. Ça fait quand même plus de 20 ans qu'il préside aux destinées de la Turquie. Donc c'est un acteur très prégnant ce début du 21e siècle, un peu comme Vladimir Poutine. Toi, comment
Voilà, indirectement, je vais aussi te poser la question, on va dire, plutôt géopolitique, les relations bilatérales entre la Turquie et l'Algérie. Non pas juste par rapport au contexte actuel de la guerre en Ukraine, mais aussi par rapport à tout ce qui s'est passé entre 2000 et 2023. Il y a aussi eu des petites différences et des différences d'appréciation sur plusieurs terrains minés, que ce soit la Libye, la Syrie, l'Algérie, la Turquie n'ont pas toujours été sur la même longueur d'onde sur ces terrains-là. Sur aussi le terrain palestinien, il y a eu aussi quelques différences d'appréciation. Comment toi tu vois l'actualité des relations bilatérales entre l'Algérie et la Turquie d'Erdogan, peut-être tu peux aussi nous parler des bouleversements actuellement géopolitiques consécutifs à ce qui se passe en Ukraine. Oui, alors. On laissera bien sûr. Il va bien de soi, deux pays alliés ou deux pays proches, même si avec la Turquie, il n'y a aucun accord d'alliance avec eux. Chaque pays a sa façon de voir les choses et de défendre leurs intérêts. Mais il va de soi que la connaissance mutuelle des deux partenaires peut les aider à avancer davantage, de manière à ce qu'il n'y ait pas de préjugement ou de jugement. C'est-à-dire chaque pays a sa propre philosophie politique, chaque pays a son orientation économique, et on n'est pas là pour les faire fusionner. C'est pas deux entreprises, c'est pas une opération de fusion-acquisition de deux entreprises qu'on va mener. C'est pas du tout le cas. Chaque pays conserve ses propres caractéristiques. Mais il n'en demeure pas moins que l'Algérie et la Turquie en Méditerranée sont deux pays que se cherchent. Pourquoi? Parce que l'Algérie, elle est à la recherche donc de partenaires fiables sur qui elle peut compter pour pouvoir porter sa voix. La Turquie également est un peu dans la même perspective, même si elle fait partie d'une alliance géopolitique bien connue, bien définie, comme l'OTAN par exemple. Et elle aspire à rejoindre par la suite l'Union européenne. Il n'en demeure pas moins que sa position est de plus en plus délicate au sein de l'Alliance atlantique et que elle se dit, ma foi, si je peux faire comme l'Angleterre, par exemple. L'Angleterre, elle fait partie de l'OTAN, mais en même temps, elle a son Commonwealth. C'est l'électron libre. Voilà. Donc, elle aussi, elle se dit, pourquoi pas ne pas avoir plusieurs cartes à la main, et que le chemin le plus court pour pouvoir s'établir en Afrique, c'est l'Algérie. D'autres pays pensent comme ça. Un pays, par exemple, comme la Hongrie de Orban, Viktor Orban, les Hongrois, en 2017, ont décidé, dès que le nouvel aéroport d'Alger a été aménagé, immédiatement, la compagnie hongroise a ouvert une escale ici à Alger, plutôt que Casablanca ou Tunis. Parce qu'ils se sont dit, pour aller vers les pays d'Afrique subsaharienne notamment, si on fait escale à Alger, c'est le chemin le plus court. Et c'est un grand aéroport de dimension internationale, ça nous intéresse, ils sont venus, ils se sont installés, la compagnie hongroise, parce que commercialement, c'est intéressant, et par rapport à d'autres aéroports, du Caire jusqu'à Casablanca, celui d'Alger leur a paru comme étant le plus pertinent. Donc, il y a des atouts que les Algériens peuvent mettre en avant. Et ces pays-là, notamment d'autres pays de l'Est, même la Pologne, les anciens pays du bloc soviétique s'intéressent de nouveau à l'Algérie. Et la Turquie, ça, elle le sait. Et c'est pour ça qu'à travers, pour elle, l'Algérie, c'est un bon cheval pour pouvoir s'établir en Afrique. Et pourquoi pas, à partir de l'Algérie, par exemple, via des contrats de partenariat gagnant-gagnant, pouvoir se projeter économiquement et peut-être plus tard politiquement dans toute la région. Donc, c'est ça. Et à travers... maintenant, en ce qui concerne... En ce qui concerne, par exemple, il peut y avoir parfois certains couacs, notamment en ce qui concerne la Libye.
parce que la situation en Libye n'est pas claire, parce qu'il y a plusieurs partenaires qui s'affrontent et chaque partenaire a des soutiens internationaux. Quoi qu'on dise, les Algériens en 2019 sont parvenus à une entente indirecte avec les Turcs, puisque en laissant les Turcs s'installer dans la Tripolitaine, ils barrent la route à Haftar. Et donc en barrant la route à Haftar, ça évite à l'Algérie d'intervenir en Libye, puisque le président Abdelmadjid Tebboune l'avait dit il y a cela quelques mois, à un moment donné, on avait envisagé une intervention dans ce pays voisin et frère, parce que la situation commençait à bouillonner et que nous avons la frontière de 1000 km avec eux. Et cette alliance indirecte avec les Turcs a fait qu'ils ont fait le travail à la place des Algériens et pour leur propre compte à eux. Donc il peut y avoir des ententes comme ça ponctuelles avec eux, même si nous faisons partie d'aucune organisation régionale commune. C'est-à-dire que la Turquie n'est pas un pays arabe, c'est pas un pays africain, ils sont membres de l'OCI, mais l'OCI, c'est une organisation qui se réunit de temps en temps pour parler des problèmes des musulmans, mais c'est pas une organisation sécuritaire, c'est pas une organisation économique. Donc, mais malgré tout, il y a quand même un effort de compréhension mutuelle qui a été mené sous cet aspect-là. On verra, on va voir comment ça va se développer par la suite. Pour revenir à Erdogan, l'actuel président turc, il correspond à un changement structurel au sein de la société turque qui a commencé à la fin du XXe siècle, début XXIe siècle. C'est l'émergence des classes moyennes turques et notamment des classes moyennes en provenance d'Anatolie. Avec le boom économique qu'a connu la Turquie au début le miracle économique qu'elle a connu au début du XXIe siècle, ce miracle économique a permis aux classes moyennes de Turquie, notamment d'Anatolie, d'émerger. Ces classes moyennes sont plutôt des classes pieuses, voire religieuses, pieuses, qui ont commencé à s'accaparer notamment tout ce qui concerne le commerce, par exemple. Et c'est donc, ce sont ces électeurs-là qui ont porté Erdogan au pouvoir, parce que le discours qu'il a développé correspond à leurs aspirations. Il faut savoir qu'Erdogan, il est diplômé en sciences économiques, et donc il a compris qu'il y avait un nouveau vivier qui était en train d'émerger et qui est différent de l'ancienne élite, notamment de l'élite kémaliste, qui elle vote plutôt CHP et qu'on retrouve dans les grandes villes, notamment Istanbul, Ankara, Izmir et d'autres villes. Mais cette élite-là, elle a commencé un peu à s'affaisser. Son discours est toujours le même, c'est-à-dire nous sommes les héritiers de Mustafa Kemal. Et ils ont eu tendance à se recroqueviller sur leurs acquis. En même temps, il y a une autre catégorie issue de la classe moyenne qui a émergé en Anatolie et qui, elle, a porté au pouvoir et continue d'être le fer de lance d'Erdogan, parce que c'est elle qui vote pour lui. Ce sont tous de ces couches moyennes et populaires turques qui ont bénéficié du miracle économique au début du XXIe siècle. Mais lui-même, il est istanbouliote. Lui-même, il est issu du peuple d'Istanbul, mais en même temps, son cœur est en Anatolie. Quelque part, on dirait que c'est l'histoire de Donald Trump. Parce que Donald Trump est New-Yorkais, mais il est le héros des classes moyennes, du Middle West américain, et très très loin de New York. Il ressemble un peu à Trump. Dans cet aspect-là. En fait, c'est plus... C'est aussi les footballeurs, lui, en plus. Oui, footballeurs, oui. C'est plus subtil que ça. Oui. C'est plus subtil que ça. Que, ouais. Pourquoi est-ce que Erdogan a été élu en Turquie? C'est pas uniquement que pour des raisons idéologiques. C'est pas uniquement que... C'est pas un quelconque parti qui, à la faveur d'une surenchère politique, a permis, en quelque sorte, de faire un hold-up. Non. Erdogan, tout comme son voisin Ahmadinejad qui est arrivé au pouvoir en même temps, il a été pendant 5 ans maire d'Istanbul
Et quand il a été maire d'Istanbul, c'est-à-dire la première localité, c'est la plus grande ville d'Europe, Istanbul. Istanbul, c'est la plus grande ville d'Europe avec 15 millions d'habitants. C'est la plus grande ville. Quand il a été maire d'Istanbul, au cours de ces 5 années, il a fait du bon travail. C'est-à-dire qu'il a assis notamment d'un point de vue tout ce qui est hygiène, voirie, il a fait beaucoup de travaux et il a amélioré les conditions de vie des Istanbuliotes. Donc il a été réélu en tant que maire. Et c'est à partir de ce moment-là où les gens ils se sont dit, il y a pas mal de Turcs qui sont venus de province, qui sont venus d'Anatolie, et Istanbul a pu les assimiler par la suite. Pourquoi ? Parce qu'il y a une politique public qui a été mené et qui a tenu compte donc des électeurs, et il a fait ses preuves. Ahmadinejad, il a fait la même chose en Iran, même si à travers son discours populiste, il a fait du bon travail avec Téhéran. Donc, c'est des gens qui ont été élus démocratiquement, et qui ont fait du bon travail, et qui ont fait un bon job, parce que les citoyens de ces villes-là se sont rendus compte qu'ils ont fait du bon travail. Donc, à partir du moment où la première agglomération, ils ont dit s'il a été en mesure d'améliorer le sort de 15 millions d'Istanbuliotes, donc le sort des 90 millions de Turcs peut s'améliorer. Et c'est comme ça qu'il a gagné des élections successivement, même si tous les Turcs ne votent pas nécessairement pour lui, il a la moitié au moins de la population qui le soutiennent. Et les autres, ils sont plutôt divisés. Mais cette moitié-là qui le soutient, c'est les couches populaires moyennes qui se disent « bon, il y a un mieux-être », même si à partir de 2010, la Turquie s'est retrouvée ballottée à travers les problèmes qui ont pu exister au Moyen-Orient, parce qu'on peut faire un développement sur ça, mais Erdogan, quand il était arrivé au pouvoir, avec Ahmed Davutoglu, son ministre des Affaires étrangères, c'était zéro problème à nos frontières. Donc ça a tenu 2 mandats, mais à partir du 3e mandat, ça a complètement changé. Il y a le conflit en Syrie, le conflit en Irak, dans le Caucase. Et c'était plus le cas parce que la Turquie, étant donné que c'est le 2e pays de l'OTAN, elle a été sollicitée pour, à un moment donné, il faut le dire clairement, déstabiliser la Syrie. Et après, bon, Erdogan, à la faveur donc de son rapprochement de l'Algérie, avec l'Algérie, il a fini par comprendre ses interlocuteurs algériens, lui ont demandé de revenir, s'il pouvait, à une politique plus, je dirais, plus pacifique, plus fraternelle, et qu'il pourrait obtenir pas mal de choses des Syriens, des Arabes du Moyen-Orient, s'il pouvait se montrer davantage conciliant. Je pense que là, actuellement, il est en train de revenir vers quelque chose de plus pragmatique et de plus pacifique. Mais c'est vrai qu'avec les révolutions arabes de 2011, la Turquie, à un moment donné, elle ne savait plus sur quel pied danser. Être le bras armé de l'OTAN et de l'Occident, sachant que l'Union européenne, à un moment donné, avec Sarkozy, ne voulait pas d'elle, ou évoluer vers quelque chose de plus personnel, quitte à rechercher un soft power qui n'est pas évident à mettre en place parce qu'il y a de la concurrence dans cette région-là. J'aurais une ultime question, encore une fois sur Erdogan. Je sais qu'il a lui-même totalement changé l'échiquier politique en Turquie. Il était Premier ministre pendant très très longtemps. Il a totalement changé la donne politique en devenant président, et avec un statut quasi président à vie, enfin, je veux dire avec une forme de. Avec très peu d'alternance. C'est que je sais qu'il se. Lui-même, il se décrète président, enfin, on va à la faveur d'un changement constitutionnel. Et c'est quelque chose, c'est pour ça que je peux parler d'un personnage qui ressemble à un personnage un peu bonapartiste, qui change même, qui change les règles du jeu. Pour asseoir son pouvoir et pour rester le plus longtemps possible. Là, il ressemble plutôt à Poutine. Donc après, c'était Trump, et là, il ressemble plutôt à Poutine. Comment tu vois un peu la suite des événements? J'ai l'impression qu'Erdogan est là pour encore très très longtemps, jusqu'à sa mort. C'est la fin. Pour Erdogan,
Le tremblement de terre qui a eu lieu cette année 2023 en Turquie a montré des failles quand même dans le système d'habitat turc, même si ça a touché des zones plutôt agricoles, ça n'a pas été aussi meurtrier que ça aurait pu l'être, parce que si le séisme avait frappé dans des agglomérations urbaines très peuplées, il y aurait eu beaucoup plus de victimes. Mais il n'en demeure pas moins que Erdogan sait qu'il a déjà perdu quelques élections ces derniers temps, notamment à Istanbul et Ankara, des villes où il était présent fortement. Et il sait qu'il devra faire attention parce que il n'a pas été élu président à vie. En fait, il a renforcé, il a fait établir un régime présidentiel de manière à stabiliser le régime, à le faire perdurer, oui, mais il n'est pas dans la même situation, dans la même configuration que Poutine, parce que le président russe, quand il a récupéré la Russie, elle était véritablement mal en point, et en quelque sorte, elle avait besoin d'un despote éclairé. Donc, à partir de là, c'est comme ça que le président russe, il est allé vers une restauration, en quelque sorte, de l'Empire russe, qui s'était, à un moment donné, disloqué d'un État puissant. Dans le cas de la Turquie, c'est pas aussi fort que ça. Le président Erdogan, il a plutôt amélioré les performances économiques de son pays, lui donné une plus grande visibilité, mais cela dit, il sait qu'il a des adversaires à l'intérieur, des adversaires qui ont leur mot à dire, un parti comme le CHP, un parti kémaliste, il représente 20 à 25% de la population, et que si par exemple la Turquie, si la monnaie turque venait à s'effondrer, il pourrait le payer cher. Donc il a été habile de ce point de vue-là. On peut dire que, nous pouvons dire qu'il a un peu manœuvré comme un certain Trump, il y a de l'habileté politique en lui, mais il n'a pas toutes les cartes entre les mains, il n'a pas été élu président à vie. Il a profité d'un certain nombre de circonstances qui lui ont permis de perdurer, mais jusqu'à quand, ça on ne le sait pas. Place aux questions du public. C'est concernant, premièrement, vous avez parlé de classe moyenne en Turquie. Je voudrais vous entendre concernant une classe moyenne ici en Algérie qui fait du populisme pro-Erdogan, qui sont une sorte de conservateurs islamisants, comme Bakri, même des commerçants qui font un travail de boutiquiste intermédiaire par rapport à la médecine au marché en Turquie, par rapport à des contrats, etc. Je voudrais savoir, est-ce que et même un phénomène sociétal chez les populations algériennes qui se dénigrent d'être algériens, qui se disent turcs, il y a même ce phénomène. Est-ce que tous ces ingrédients peuvent être une tête de pont par rapport au power soft turc? Ma deuxième question, ça sera un peu compliqué par rapport au kamalisme, par rapport à la doctrine décolonialiste chez nous et le côté militariste indépendantiste en Turquie. Dans le travail militaire, par rapport à l'émergence d'une collégialité progressiste chez nous, est-ce que le modèle kémaliste peut être un fer de lance par rapport à ça? Par rapport à une émergence d'une classe progressiste militaire qui pourrait engendrer un transfert, disons pas démocratique, mais moins progressiste. Ma troisième question, qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à cette passion par rapport à l'Orient ottoman et par rapport à la Turquie? Voilà, je vous remercie. Alors, l'Algérie. À un moment donné, j'avais constaté, notamment au cours des années 90, que l'Algérie avait, j'étais pas le seul, hein, qu'elle avait perdu un certain nombre de ses repères, et que les repères, elle les a perdus parce qu'elle est passée par une phase d'oubli. Et quand on passe par une phase d'oubli,
ça finit par déboucher vers soit une impasse, et si c'est pas l'impasse, c'est la violence qui s'installe. Parce qu'on ne sait plus qui on est, d'où on vient. Donc quand on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va. Souvent c'est le cas. Parce que c'est comme une personne qui est amnésique, c'est-à-dire qu'elle est amenée à répéter un certain nombre de gestes, mais sa trajectoire par la suite, c'est une trajectoire qui est condamnée parce que c'est une personne qui est amnésique. Et donc à un moment donné, je schématise. J'avais l'impression qu'elle était entrée dans cette phase-là. Et c'est pour ça que personnellement, je m'étais intéressé parce que la création, la fondation de l'État ottoman ici à Alger au XVIe siècle, quand vous faites une rétrospective, ce sont eux, les Turcs ottomans, qui ont fixé les frontières de l'Algérie actuelle, c'est-à-dire les frontières au nord du pays. Les frontières de la Méditerranée, les frontières du Maghreb sont parmi les plus anciennes au monde. On dit qu'elles sont les plus anciennes en Afrique, pas uniquement en Afrique, parmi les plus anciennes au monde, parce que la création d'un État, la structuration d'un État avec une administration, avec une armée, avec une fiscalité, c'est eux qui l'ont mis en place. C'est eux qui ont délimité les frontières, donc avec le Maroc et la Tunisie, les deux pays voisins, et ces frontières n'ont pas changé, en gros. Je dis bien en gros parce que les frontières avec le voisin marocain, ça allait jusqu'à la Moulouya, un peu plus loin, et avec les Tunisiens jusqu'à Tabarka. Donc des petites modifications mineures ont lieu par la suite, mais ces frontières-là ont permis, en tout cas à l'échelle du Maghreb, de donner une forme à cette proto-nation algérienne. Je ne dis pas proto-nation, qui est en cours de formation, avec des frontières délimitées et reconnues. Ça, c'est au niveau des frontières. Deuxièmement, au niveau, par exemple, des institutions publiques, vous prenez, par exemple, l'armée turque qui était stationnée ici avec les janissaires. Ce mode de fonctionnement des janissaires va influencer aussi les Algériens, y compris les dirigeants par la suite, qui vont opter pour une forme de représentation collégiale au niveau, lorsque la lutte de libération a été lancée entre 1954 et 1962, chaque wilaya va conserver son autonomie de décision. Il n'y a pas de zahimisme, il n'y a pas de zahim, comme a voulu à un moment donné penser pouvoir l'être Messadi Hadj. Le zahimisme n'a pas eu lieu à ce moment-là. C'est-à-dire que chaque région a mené son combat en solidarité avec les autres régions et pour une cause et pour un but commun, c'est-à-dire l'indépendance. Et ça, c'est une maturation du projet politique par rapport au XIXe siècle où les différentes régions de l'Algérie ne se sont pas données nécessairement la main. Là, ils ont compris qu'il fallait qu'elles soient alliées tout en conservant une certaine autonomie de décision et de fonctionnement. Donc cette façon de fonctionner, en fait, ça nous rappelle les différents beylika. On avait un dey, et avec plusieurs beylika, le beylika de Constantine, le beylika du Titeri, le beylika d'Oran, de Mazona, la région du Sahara aussi, avec un sultan local de Tougourt. Donc on a des élites locales qui obéissent donc au pouvoir central, mais il y avait une certaine décentralisation, paradoxalement, dans le fonctionnement de la régence. Ce n'était pas un pouvoir centralisé à l'extrême, un pouvoir jacobin, où tout était concentré ici à Alger, la Casbah, et le reste se contentait de suivre. Non, parce qu'il fallait, à ce moment-là, le soutien, notamment, des élites locales, et les autorités ottomanes ont su, c'est-à-dire pérenniser leur présence en Algérie à travers notamment le soutien de ces élites locales. Et c'est pour ça que par la suite, l'Algérie aurait pu opter par exemple pour un suffrage universel indirect qui correspond davantage
à cet état d'esprit des Algériens, qui a fonctionné comme ça pendant plusieurs siècles, suffrage universel indirect, comme les gouverneurs et les sénateurs aux États-Unis, qui, eux, représentent les intérêts de leurs citoyens. Prenons un exemple, l'émir Abdelkader, en 1832, lorsque différents chefs de tribus l'ont désigné comme émir pour pouvoir mener la lutte, et bien ces chefs de tribus, c'était des dirigeants locaux. Et les Ottomans faisaient aussi la même chose, c'est-à-dire que le Dey, il s'appuyait sur ses dirigeants locaux pour pouvoir percevoir l'impôt et transmettre aussi les messages qu'il devait transmettre lorsqu'il fallait mobiliser ces populations-là. Donc c'est ça qui m'a amené justement à aller dans ce sens-là lorsque j'ai vu que à un moment donné, l'Algérie était en quelque sorte, elle avait perdu ses repères et qu'elle n'arrivait pas trop à définir une trajectoire, une nouvelle trajectoire post-indépendance. Parce que dans la lutte de libération, c'est une lutte face à un adversaire que nous connaissons. Mais une fois que l'Algérie a été libérée, à ce moment-là, comment faire pour qu'elle puisse idéologiquement se doter d'une personnalité propre avec les différents ingrédients qu'elle a. Les différents ingrédients qu'elle a, c'est-à-dire, ce sont les différentes influences qui ont traversé ce pays depuis des siècles et des millénaires et qui n'ont pas été jusqu'à maintenant assumées. C'est-à-dire que ce soit à travers les revendications, la réappropriation de la langue arabe, c'est très bien, parce que les Algériens ont été privés de cette langue-là, c'était devenu uniquement la langue du Coran pendant la colonisation. Mais qu'en est-il en ce qui concerne l'arabe algérien lui-même? Qu'en est-il en ce qui concerne, disons, les différents dialectes ou le berbère? Et qu'en est-il en ce qui concerne les autres influences? Comme je vous donne un exemple, dans l'arabe algérien, nous avons à peu près 650 mots d'origine turque. Et les Algériens ne se rendent pas compte quand ils parlent cette langue-là, quand ils s'expriment en algérien. Souvent, vous avez le sujet, il peut être en français, le complément d'objet direct il peut être en turc, et le reste en arabe. Donc, la langue algérienne elle-même, elle est métissée. C'est ce métissage-là qui définit donc, la personnalité algérienne. Et en utilisant ces 650 mots turcs, par exemple, ça serait bien qu'à l'école primaire, dès qu'ils sont jeunes, on apprend aux enfants à leur dire voilà ce qu'est l'Algérien, comment il a évolué. Parce que la langue maternelle en elle-même, c'est l'expression de ce qu'est le garçon et la fille qui est éduqué dans sa maison. Il parle la langue de sa mère. Et dans la langue de sa mère, il va utiliser un certain nombre de mots de vocabulaire, parfois qu'il ne connaît pas. Et s'il est en mesure de savoir la signification, par exemple, d'un certain nombre de mots, eh ben, ça va renforcer l'estime de soi, son affirmation. Je vous donne un exemple. Parfois, il y a même, d'un point de vue sémantique, il peut y avoir une régression. Dans la langue algérienne, et notamment à Alger, quand on achète un produit ou qu'on estime qu'il est défectueux, on dit ça, c'est le khorti. Ça ne vaut rien. Le khorti, à l'époque, c'était une école qui était ici, à l'époque des Ottomans, qui formait l'élite des janissaires à Alger. Donc le mot khorti en lui-même, à cette époque-là, était signification de quelque chose qui est de noble, qui est lié à l'élite. Et vous voyez comment dans le temps, il y a une dégradation, comment ce mot-là a pris une autre signification et s'est dévalorisé complètement. Cette dévalorisation-là, elle est valable pour un mot qui est d'origine turque, elle est valable pour un certain mot, par exemple, d'origine arabe. Je vous donne un exemple, quand on dit al-wardatu fa'ihatun. En arabe, fa'ihatun, al-wardatu fa'ihatun, c'est la rose qui sent bon. Or, dans la langue algérienne actuelle, quand on dit fa'ihatun, c'est quelque chose qui pue. Vous imaginez? On passe carrément dans le beau.
pour dire. Oui. Donc cette évolution sémantique, cette évolution sémantique, quelque part, cette régression-là, un linguiste peut très bien travailler avec un psychologue, peut très bien travailler avec un psychiatre et donner, si je puis dire, une explication. Explication pourquoi des mots qui étaient censés être des référents pour une société ont-ils changé de signification pour devenir l'inverse de ce qu'ils étaient au départ. Et c'est valable pour beaucoup d'autres mots de vocabulaire algérien. C'est pour ça que la langue maternelle est extrêmement importante, parce que la langue vernaculaire, c'est avec laquelle les gens vivent et s'expriment tous les jours, l'arabe littéraire, tout le respect que nous pouvons avoir pour lui, c'est la langue de la religion, c'est la langue de la littérature, c'est la langue de beaucoup de choses, mais la sensibilité quotidienne de la rue algérienne ne peut s'expliquer qu'à travers l'algérien. Or, dans l'algérien, nous avons des mots qui sont d'origine diverse et variée. Et ça, les gens n'en sont pas conscients. On leur parle comme ça une fois dans leur vie. Mais concrètement, même le nom d'un certain nombre de métiers, par exemple, qui sont d'origine turque, Khaznaji, c'est celui qui s'occupe du trésor. Je voulais juste, pour rappeler à notre auditoire la question, c'est une question très intéressante, on va dire presque sociologique, on parlait d'une forme de sous-culture, qui est une sous-culture en Algérie, qui provient de Turquie. Il y a une forme de dénigrement de son algérianité au profit. Alors, il y a en quelque sorte une certaine récupération politique qui a pu être faite par l'homme politique que vous citez. En fait, c'est beaucoup plus des prébendes qu'on veut récupérer, parce que la Turquie est présente ici commercialement et économiquement, et ces acteurs qui travaillent souvent dans le domaine de l'informel, vous savez que la plus grande partie de l'économie de l'informel est tenue par des gens qui sont issus de la mouvance modérée du fondamentalisme. Et donc c'est des prébendes qu'ils récupèrent et qui font l'éloge, bien sûr, de la Turquie d'Erdogan, et quitte à s'auto-dénigrer quelque part, à ne pas faire la part des choses. Parce que en fait, eux, et c'est le problème aussi qui caractérisait même certaines formations politiques au cours des années 90, on s'était rendu compte que c'est un prêt-à-porter, les uns l'importaient d'Arabie Saoudite, les autres d'Afghanistan, ceux-là de Turquie, sans pour autant tenir compte des réalités locales. Maintenant, ceux qui sont dans ce dénigrement-là, généralement, ce ne sont pas des familles qui sont d'origine turque, hein, parce que les familles d'origine turque, elles s'acclimatent avec, je dirais, même si elles rappellent leurs origines, mais elles n'en font pas ni un fonds de commerce, ni quelqu'un comme Bashtarzi n'a jamais dit qu'il était d'origine turque. Quelqu'un comme, par exemple, comment il s'appelle, beaucoup d'autres, hein, qui sont d'origine Okaï. Comme je vous l'ai dit au début de ma conférence pour aujourd'hui, il n'y a que Taoufik Madani qui, au moment de rallier la révolution en 1956, avait rappelé ses origines turques pour mettre en avant l'apport que la Turquie ou les Ottomans ont pu faire lorsqu'ils sont venus ici. Cela dit, pour rejoindre votre camarade tout à l'heure, moi j'ai parlé, donc cette conférence concerne les Ottomans et la présence ottomane en Algérie. Cela dit, ça va de soi que l'histoire de l'Algérie ne se limite pas aux Ottomans. Je n'ai jamais dit que l'histoire se limitait à eux. Mais le thème de cette conférence concerne les Ottomans et l'Algérie. Donc, les quatre séances que j'ai faites, ça sont consacrées exclusivement à l'apport des Ottomans, donc à leur présence en Algérie. Mais il va bien de soi que je n'ai jamais dit que au XVIIe, au XVIe, XVIIIe siècle, il n'y avait que les Ottomans. Donc, ça serait réducteur. C'est comme si
Comment ça, comme ça? Nous n'avons pas abordé les questions. Vous les avez pas abordées. En fait, nous les avons fait. On a restreint le champ de la discussion. C'est un angle qui est bien précis et le thème est très précis. Il n'y a pas comme si on parle des Ottomans et de leur présence en Algérie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que. C'est le thème en lui-même. Voilà. Voilà, comme si Bernard Dugan parlait de l'Algérie. Exactement. Hein? Et ça veut dire qu'avant les Français, il n'y avait rien. Et pour autant, par exemple, je vous donne un exemple. À un moment donné, les Turcs, pour mettre en avant, dernièrement ces dernières années, pour mettre en avant leur présence en Algérie, ils ont dit 25% de la population algérienne serait d'origine turque. C'est exagéré. On sait que c'est exagéré. Les estimations réelles ne dépassent pas les 5%. Donc il faut faire une distinction entre le discours en lui-même et la réalité historique. Quels sont les apports, effectivement, et qu'est-ce qui relève du discours politique. Mais ceux qui font cette récupération-là, ce sont beaucoup plus un certain nombre, peut-être, de partis politiques qui sont dans le domaine de la formation, de la formelle plutôt, et qui font allégeance pour une raison ou une autre, pour des raisons pratiques qui leur sont propres à eux, à un État quelconque. Voilà, je pense que c'est beaucoup plus ça. Merci bien. Rapidement. Oui. Rapidement. Prenez votre temps. Ça va être un déroulé de questions. Vous savez, ce qu'on appelle les Koulouris. À l'origine, ce n'est que le fils, pas le petit-fils. Tout à fait. Ce n'est que le fils qui a ce statut. Voilà. Pour protéger les biens, pour. Enfin, j'en sais rien. Donc, il est né d'un janissaire qui a pris sa retraite ou pas, qui a arrêté. Et d'une Algérienne, je vais les appeler comme ça, c'est pas forcément une Algéroise, ça peut venir des tribus avoisinantes. Donc c'est que le fils, ce n'est qu'au cours des années que les petits-fils et les arrière-petits-fils ont revendiqué le statut de leur père et de leur grand-mère. Résultat des courses, lorsqu'un ministre de la Culture turque est venu à Tlemcen, il y a un responsable à Tlemcen qui lui a dit « Moi, je m'appelle Kara, je suis d'origine turque. » Et le ministre, après traduction, le ministre de la Culture lui a répondu « Kara en turc signifie esclave. » Donc il a refroidi le début, ne recommence pas, ne joue pas ce genre. Donc on ne peut pas dire qu'à 5% ou 6% ou 25%, on n'en sait strictement rien. On n'en sait strictement rien. Ce qu'on sait, par contre, historiquement, c'est que ces familles se connaissaient entre elles. Bien sûr. Qu'elles aient été à Alger, à Coléar, à Guyana, à Médéa, ou à Tlemcen, ou à Délis. Oui. Elles se connaissaient entre elles. Et lorsque le Bey Mohamed Kbir reconstruit la ville d'Oran, il fait appel à des musulmans, il fait appel à des juifs, et il va chercher les Bachtarzis de Constantine, parce qu'il a besoin de gens comme lui dans cette ville. Mais ça, c'est pour la question du... la question de ce Koulouri. Bah, c'est normal, on prend ça en compte. Pardon, ça c'est pour la question du Koulouri, hein. Donc, elle m'intéresse que secondairement. Que secondairement. Maintenant, c'est vrai, il n'y a pas de travaux depuis la thèse de Mohamed Ben Chined, qui fait 25 pages, hein, c'est une thèse pour l'autoriser à enseigner l'arabe ici à la faculté. C'est tout. Hein, c'est très peu pour une thèse de 25 pages. Tu sais, c'est très peu. Oui, mais les thèses de l'époque, on lit la thèse de Kant, c'est pas plus. Sauf que c'est quand même un siècle avant. Bon. Mais c'est pas traité, en quelque sorte. Voilà. C'est pas mon rayon. Je veux dire par là qu'il n'y a pas de travaux sur ça. Mais c'est pire encore. Si on découpe l'histoire de l'Algérie classiquement, telle qu'on enseigne l'histoire du monde en Europe ou aux États-Unis, il y a la période antique, il y a la période médiévale, il y a la période moderne et il y a la période contemporaine. Chez nous, ce qui va se passer après, on va mettre en place les institutions, la période antique, ça va être le ministère de la Culture.
qui va avoir un petit rival sur le tard, c'est le HCA. La période médiévale, c'est le ministère des Affaires religieuses. Vous vous souvenez-vous des... Comment on appelait ça? Non, c'est qu'organisait Moulouf-Kassim. Le congrès... le congrès musulman, enfin, je ne sais pas comment vous les appelez. Et la période contemporaine, c'est contrôlé par le ministère des Moudjahidines jusqu'à présent. Oui. Et la période moderne? Et la période moderne? Où elle est? Où elle est? La période moderne, elle a été laissée, c'est comme ça que je la désigne, en liberté. On a donné ça à l'université. On a laissé l'université. Bon, ça les OK. Et là, ça a donné les plus belles thèses. Ça a donné les thèses sur la période ottomane, les plus riches au point de vue de la méthode de travail de l'historien. Ce n'est pas le discours pseudo-nationaliste qui n'est pas un discours pseudo-nationaliste, qui n'est pas un discours pseudo-nationaliste de la période contemporaine. Ce n'est pas le discours religieux dont on nous rabat les oreilles pour la période médiévale, alors qu'on oublie que tout va se passer durant cette période. Et c'est pas non plus la période antique, bon, c'est les Romains. Qu'est-ce qu'il y a? Les Numides, c'est quoi ça? Ça se mange. Les Numides, c'est tout un bon. Et c'est là qu'on a les plus. Il va y avoir un discours militant. Militant, religieux et pseudo. Je ne dis pas nationaliste. Je m'interdis de prononcer ce mot. Je ne dis pas nationaliste, je dis pseudo-nationaliste. Eh bien, les plus belles thèses. Les plus belles thèses qui sont sorties de nos universités, c'est sur la période ottomane. C'est sur la période ottomane, c'est Madame Bichy, c'est Rayhana Aïcha Rota, c'est Fatiha Loalich, c'est Isabelle Rangot et d'autres, et j'en passe. Des dames, parce que, en réalité, je me demande si là-dedans, c'est pas ce que je veux dire. Il n'y a que des femmes. C'est pas vrai. Il y a quand même des jeunes qui travaillent, mais la dernière attaque est la seule attaque qui ne vient pas de nos idéologues. Eh bien, on parlait tout de suite là de Bernard Lugan, mais pas que, c'est de dire, d'ouvrir un débat complètement erroné. Les Turcs sont des colonisateurs. Et ça, c'est Pierre Boyer qui l'a écrit en 1960. Nous avons été des colonisateurs, mais avant nous, il n'y avait pas d'État, il y avait un colonisateur aussi, c'était les Turcs. Mais nous avons été de meilleurs colonisateurs. Tiens donc, il a écrit ça. Mais ça se répète de nos jours. Bien sûr. Il y a des débats dans la presse. Bon. Je peux parler de quoi, 2 secondes? Oui, bien sûr. J'ai été attaqué sur les réseaux sociaux, il y en a un qui a demandé comment. Il est encore en poste, celui-là. Il dit que les Turcs ont fait ceci et cela, il est encore en poste. Vous voyez jusqu'où c'est arrivé. Bon, mais c'est un imbécile. Il ne faut pas qu'on se soumette au royaume des imbéciles. Maintenant, là où je suis moins d'accord avec vous, en tous les cas, je me pose beaucoup de questions, mais je vais me limiter à un seul point. Cette histoire de la Pitiawa. Le petit roi n'avait plus rien d'une mosquée. Hein? Parce qu'il n'y a pas de mosquée en Algérie qui ont deux minarets. Ensuite, l'architecture de la période ottomane tient beaucoup plus de l'architecture maghrébine, avec des minarets carrés, sauf qu'on a ajouté, et là je parle parce que j'ai entendu des architectes ils ont réagi très bien, sauf l'histoire du dôme. Jamal Majdi, la mosquée du Pacha, la mosquée du Bey, etc. Mais ce qu'ont amené les Ottomans, c'est effectivement ça. Mais ce n'est pas Sainte-Sophie, c'est des petites mosquées.
C'est ça. Avec Bichin a été agrandi, là. Mmh. Oui, on n'a pas respecté le plan initial. Maintenant qu'on en fasse, il a construit cette mosquée pour sa fiancée ou son amoureuse, je n'en sais rien, la home. Et même le style, il est byzantin un peu de ces mosquées-là à l'origine. Le style, quand vous allez dans les îles grecques, par exemple, vous avez ce style byzantin qui existe. Ce n'est pas le style byzantin. Mmh. C'est une logique. C'est une logique architecturale. On a commencé à faire la prière là où il y avait un endroit. Oui. C'est par exemple la mosquée de Damas. Mm. La mosquée de Damas, c'est une église. Mm. Oui, bien sûr. Sauf que devant les églises, il y avait parvis. Mm. Et nous, dans les villes musulmanes, il n'y a pas de place, il n'y a pas d'agora, il n'y a pas de forum. Oui, mais c'était l'église. La seule place qui a, il y a deux places qui ont existé, si on peut appeler ça une place. Une ville qui n'avait plus rien de musulman, c'était Oran. Mm. Elle était devenue place espagnole. Et l'Oran pré-espagnol, elle est sous terre. Mm. Mais comme ça n'intéresse pas le ministère de la Culture, là, ils ont laissé tomber. Et le Badestan, c'est-à-dire ce qu'il y avait devant le port d'Alger, où on vendait les esclaves, etc. Enfin, on nous raconte des histoires à dormir debout, je les reprends, pas vraiment à mon compte, mais enfin, j'ai des représentations figurées comme ça qui nous montrent qu'il y avait un vide. Il n'y a pas de place à la Casbah. Il n'y a pas de place. Sinon, la jonction de deux rues, une rue qui descend ou qui monte, d'un port et une autre, et puis là, il y a une fontaine, c'est pareil. Enfin, dans l'histoire de la période ottomane, Le XVIIe siècle, c'est la course qui enrichit, mais pas le XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle, c'est le blé, et qui va nous poser le malheur que l'on connaît. C'est le blé. Hein? Il faut lire, et vous l'avez lu, enfin j'espère, hein? Il faut lire Nawal Melouch. Il faut lire Nawal Melouch, il explique très bien. Dernier point, je m'arrête parce que sinon, moi, c'est une période qui m'intéresse beaucoup, sur laquelle j'ai écrit mais jamais publié. Le dernier point, ah, ça y est, c'est parti. Le dernier point, oui. Bon, ben tant pis. Tant pis pour moi. Ce que je voulais dire, donc, c'est la période du blé qui succède après à la période du. Après la course, oui. Oui, les Espagnols n'ont pas eu. Ils avançaient rien. Hein. La seule ville qu'ils ont tenue, c'est Oran. Ils n'ont rien tenu après. Ils se sont fait chasser comme des malpropres. Attention, hein. Et la bataille d'Alger, en 1541, mais les gens sont venus de l'ouest, de l'est, du sud, pour aider qui c'est Dieu. Arabo. Il y a eu ce que disait moi je le prends pour mon compte, une phrase de l'historien marocain qui n'aimait pas les Turcs, Abd al-Arawi. Il parle et il évoque une sorte d'opinion publique. Eh bien, quand les trois frères, parce que le quatrième il était mort, Barberousse, quand les trois frères Barberousse ont débarqué à partir de Gijel. Ils ne sont pas venus au nom du sultan. Ils fuyaient le sultan. Ils fuyaient le sultan. Le sultan les a fait chasser de la Palestine actuelle vers le Caire et du Caire vers la Libye. Et de la Libye, les pourchasser jusqu'à Gijel. Et puis là, bon, ils les ont laissés. En passant par le Caire. Décidément, hein, je vieillis. Voilà. Bon, je laisse tomber Abouras Nasseri, qui a écrit en arabe qu'on dit aujourd'hui parler. Ses livres, il en a écrit une quinzaine hein, de livres, c'est en arabe parler. Alors, je me suis amusé à vérifier avec le peu de l'arabe que je connais. Je me suis dit, mais jamais nos étudiants d'aujourd'hui ne sauront lire ce livre.
Donc ils leur ont écrit en arabe classique. Ils l'ont repris. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Bon, mais ça risque de dénaturer le. Oui, complètement même, mais c'est en arabe parlé. Pourquoi je dis en arabe parlé? C'est parce que j'ai pu en lire quelques passages. Ouais. C'est-à-dire que je suis arrivé à comprendre. Mais il y a toujours eu une diglossie. Il y a toujours eu une diglossie. Une diglossie, oui. Il y a toujours eu une diglossie. Qui est propre à la société algérienne. Qui est propre à la société algérienne. Et qui a fait sa force. Qui a fait sa force. Ça, les linguistes l'ont toujours constaté, la diglossie. Pardon, j'ai dit un peu long. Quand j'avais parlé tout à l'heure des activités qui sont liées à la course et à la piraterie, naturellement, je n'ai pas évoqué les activités économiques proprement dites des Ottomans en Algérie, et je n'ai pas limité les revenus donc, de l'Ojak ou des Turcs d'Alger uniquement aux revenus qui sont liés à la course. Non. Je n'ai pas parlé du blé, mais je n'ai pas parlé aussi d'autres produits, notamment le corail du côté de la canne qui était exploité et qui était aussi exporté et qui a fait l'objet de ça fait partie du conflit qui va mener par la suite le dé d'Alger à réagir brusquement contre le consul de France parce que, outre la question de la dette, qui est lié aux livraisons de blé qui n'ont pas été honorées donc, par le roi de France. Il y a aussi la question de la canne, puisqu'il y avait une concession commerciale, une sorte de comptoir commercial qui avait été accordé par la régence à la France. Et donc ce comptoir commercial, à un moment donné, la marine française l'a aménagé et elle en a fait un fortin. C'est une sorte de petite forteresse. Et ça, c'était absolument pas stipulé dans les accords qui ont été signés entre la Régence et le Royaume de France. Et le dé d'Alger a rappelé manu militari au consul de France que le comptoir commercial de la Cale n'était pas destiné à devenir ne serait-ce qu'un entrepôt militaire, qui n'était pas question. Et pas de travaux d'aménagement d'une quelconque forteresse à la cale, c'est un comptoir commercial. Donc, contre qui vous aménagez? C'était ça qu'avait soulevé le dé d'Alger, et on n'en parle pas suffisamment. On parle uniquement que de la question de la dette, que du blé. Donc, l'Algérie, enfin, la région d'Alger, et notamment, avait une activité commerciale qui était tournée vers la Méditerranée, mais également vers donc l'Afrique subsaharienne. Je pense à des activités comme il y avait des échanges à l'emporter donc de l'ivoire et de l'or en provenance d'Afrique subsaharienne et à l'exporter également du sel, l'exporter notamment des plumes d'autruche, une des wilayas qui se trouve à l'ouest de l'Algérie, Nahama. Nahama, c'était une région, une des dernières régions où il y avait beaucoup d'autruches à cette époque-là, les plumes d'autruches. Donc ça s'est exporté, les plumes d'autruches, parce que c'est avec ça, par la suite, qu'on écrivait. Et donc, les plumes, oui, qu'on faisait des chapeaux aussi. Qu'est-ce que j'avais dit, les plumes d'autruches, le sel qui était important à ce moment-là, parce que c'était une matière première qui permettait de conserver la viande et tout ce qui est poisson, donc c'était très demandé. L'Algérie exportait via des caravanes qui partaient en Afrique, vers l'Afrique subsaharienne, des caravanes de sel, Le corail. Le corail était davantage destiné vers l'Europe via la marée marchande. On avait aussi d'autres produits comme l'huile qui était exportée aussi. L'Algérie a toujours été un pays grand producteur d'huile. Les dattes, des tissus également, et un autre produit qui était exporté aussi, c'était le cuir. L'Algérie, c'était le pays du cuir, et ça s'exportait vers aussi bien l'Europe que le Moyen-Orient et l'Afrique subsaharienne. Donc les activités de la Régence, contrairement à ce qu'on pense, effectivement n'étaient pas uniquement limitées qu'à la course, et même donc au
au XVIe siècle. C'était surtout ça qui faisait parler d'elle, parce que les activités de la course au XVIe, XVIIe siècle étaient liées à des conflits militaires aussi. Bon, il y avait les deux. On ne se battait pas que pour des activités commerciales, parce que s'il y avait un litige entre deux navires à cause de la course, ça pouvait entraîner directement un conflit militaire, parce qu'il y avait beaucoup de rivalités. Ce n'est qu'à partir du XVIIIe siècle où on va faire une distinction entre les activités liées à la course, clairement, et l'activité militaire, puisque la région d'Alger ne menait plus d'opérations militaires de grande envergure à cette époque-là. Une petite part, en fait. Bien sûr. Ouais. Merci. Tout éclairage est le bienvenu. Merci. Merci. Voilà. Ce que j'ai découvert, mais en fouillant un petit peu, Khelbil. Non. Le principe, c'est que chaque fois que quelqu'un prend le pouvoir à Alger, la première des choses qu'il fait, c'est de rassembler une flotte pour attaquer Oran, les Espagnols qui se trouvent à Oran. C'est ce que fait Khelbil. C'est ce que fait Khelbil. Non, ce n'est pas par Khelbil, un autre. Et puis il reçoit un ordre, il va pour attaquer Oran, et il reçoit un ordre de rejoindre Istanbul avec sa flotte. Hein? Et entre-temps, Henri IV fait une note à son ambassadeur pour aller se plaindre d'Alger, parce qu'Alger attaque les drapeaux français. Alors qu'il y a un accord entre Selim Khanouni et la France, de François Ier, donc le grand-père, je crois, d'Henri IV. Selim Khanouni, Soliman le Magnifique. Soliman le Magnifique. Mais moi, j'ai appris à mémoriser Selim Khanouni. Donc, j'ai appris, hein, parce que ça sort tout seul, parfois. Bien. Mais pourquoi d'abord Khelbil et ensuite ce Bey sont rappelés alors? Le Bey s'est plaint, il a dit oui, on protège les navires français, mais maintenant il n'y a plus que des navires français. Alors qu'ils sont espagnols, portugais et anglais. Mais ils abordent tout de suite, hein, quand ils nous voient arriver, ils sortent le drapeau français, ils nous sentent français, on les laisse passer. C'est qu'après qu'ils ont découvert que ce n'était pas des navires français, mais malgré tout, il y a eu. Usurpation d'identité. Voilà. Ils se faisaient avoir. Maintenant, ceci dit, ce qui est plus important, il n'y a jamais eu de marine marchande. Il y avait, même pour aller à la Mecque, quand on voulait prendre un bateau, on prenait un bateau génois, pisan, catalan, même marseillais, qui accostait, qui prenait, comme tu l'as si bien dit, les matières premières, et qui allait vers l'Alexandrie. Il n'y a jamais eu de marine marchande. Alors ça va poser un problème. C'est que c'est que ces histoires. Non, nous ne sommes pas les seuls. La Chine n'a plus eu de marine marchande. L'Inde n'a jamais eu de marine marchande. C'est comme ça que l'Europe est partie à la conquête du reste du monde. Pas uniquement avec l'armée, avec les marchands. Bien sûr. Mais l'islam est allé avec les commerçants, mais à pied, vers le sud. Tout à fait, exactement. Il n'y a pas du scotch pour toi. Il n'y a pas de scotch ici. Je pense qu'il est temps de. Dylan Ayo. On va se dire. Il y a 100 points de semaine. Une question de ça. Moi, j'ai la peau. Alors, j'en profite, Anaïa, pour demander s'il y a eu d'une part ou d'une autre, parce que chez les auteurs algériens, ou là, même en arabe, on n'en parle pas beaucoup. Il y a peut-être seulement Abdelrahman Djilali, mais Abdelrahman Djilali, que Dieu ait son âme, était arabophone. Donc on n'a pas d'ouvrage qui retrace ou là, qui traduise les propos de Albert Devaux, et on pourrait porter. On parle beaucoup de Mustafa, l'imam de la mosquée d'Alger. Mustafa Kwate. Mais on ne parle pas beaucoup de lui. On ne parle même plus maintenant de Bab Ahmar, par exemple. Qui c'est qui va nous parler de Bab Ahmar?
ça serait bien qu'on en parle. Oui, exactement. Ah oui. Mais non, ça, oui. Ça fait partie justement des très formes de l'oubli qui existent. Non, parce que Baba Ahmad ou Mustafa Klopé qui a été renvoyé au Caire, etc. Ça serait bien de connaître ces gens-là. Bien sûr. Ils font partie de cette trame-là. Bien sûr. Et il y en a beaucoup, mais je ne peux pas les citer maintenant. Oui. Mais j'en profite pour parler de la Zawiya. Ketchawa. Ketchawa n'était pas seulement Tzeltzilite avant d'être Ketchawa. J'ai bien dit que c'était une mosquée bien avant. Bien sûr. Avant l'église d'Al-Aqsa. C'était la grande cathédrale d'Alger. On parlera aussi peut-être de la mosquée la mosquée ou l'église Saint-Augustin. Tout le monde pense que c'était Benbadis. Benbadis, c'est Benbadis maintenant. Ah oui, c'est celle qui a coûté du palais de justice. Voilà, en face du palais de justice. Oui. Mais on peut en parler beaucoup. Mais ça serait une autre. Non, mais comme on a parlé tout à l'heure de Jamaa Ketchawa, ça serait bien qu'on parle de la Zawiya Ketchawa, qui portait d'ailleurs plusieurs noms. Oui. Mais ça, il faudrait faire avancer la science. Moi, je ne suis pas scientifique. Il faudrait faire un appel. Oui, c'est ça. La contribution pour une thèse, parce que là, c'est un sujet de thèse. Non, ça serait bien. Non, non. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent en parler. Les architectes travaillent sur ça. Oh, bah, apparemment, non. Si, j'ai connu Mme Chergui, qui était une architecte qui a travaillé sur le Mahabous, qui a travaillé sur les mosquées comme le Chine. Ça serait bien, oui, ça serait bien. Mais Jamaa Ketchawa avait comme annexe, il y a mis la Zawiya. C'était quelle confrérie ? C'était une confrérie d'obédience turque d'obédience hanéfite. Hanéfite, c'est ça, hanéfite, oui. Maintenant, quand on pioche un petit peu et qu'on sait que la Zawiya Ketchawa était adjacente, juste à côté, la Zawiya était à côté. C'est là où il est actuellement. Pendant l'occupation française, ça s'appelle le bazar d'Orléans, qui est le premier bâtiment entre la place des Martyrs et la rue de la Lyre, avant la construction de la rue de Chartres. La rue de Chartres n'existait pas, bien sûr. Mais là, il y avait une très grande Zawiya qui se trouvait dans le marché. Les corporations qui entouraient tous ces bazars. Vous avez raison, parce que les mosquées, par exemple, à Istanbul, ce sont des mosquées complexes. Il y a plusieurs complexes, il y a plusieurs bâtiments autour de la mosquée. Donc il y avait des médersins, enfin, des aouïas, il y avait des écoles. Voilà. Et cette structure de la mosquée complexe a été détruite à l'époque de. Il faut lire le livre de Kamel Fidjali, pas Al-Aziz. Kamel Fidjali sur les Zawiya. C'est sa thèse. Non, cette Zawiya est particulière parce qu'elle se trouve juste à côté de Jamaa Ketchawa. Et c'est une des Zawiya qui était incorporée dans les sept Zawiya, qui était, qu'on appelle ça, Zawiyat Subul al-Khayrat. Zawiyat Subul al-Khayrat, ça veut dire que ce sont celles qui sont habilitées à transférer l'argent qui était collecté ici. Les œuvres sociales. Les œuvres sociales. Pour voir la Mecque et le Madina, pour l'entretien des édifices religieux qui se trouvent là. C'était pas n'importe quoi, par exemple. Merci. Merci de l'information. Et pour l'histoire de Zéhien, Jamaa Ketchawa, Jamaa Sred, Jamaa Ketchawa, et d'historiographie beaucoup plus loin. Ah oui, mais le premier édifice d'Alger. Le premier édifice d'Alger. On a su brasser. C'est une très belle fresque. Vous avez parlé du film. Oui, alors moi, quand je suis toujours méchant, il n'y a jamais eu ni roi ni reine à Alger. Oui, mais justement, ça, me souffler, ça serait le sujet d'une conférence sur le statut de la fiction. Oui, voilà. Parce que normalement, c'est une. Normalement, il a un statut de fiction, donc je suis suspendu du jugement. Ce serait très formidable qu'on fasse une.
une séance avec Adila, qui pense ce film ici, et qu'on puisse vous. Oui. Quand il sera permis, quand il sera autorisé. Voilà. Je voulais. Attendez, juste une. Non, pas encore. Je voulais juste donner un petit mot et de remerciement à Reda Hadidesh. Nous remercions vraiment à toute l'équipe participante parce qu'il s'est donné. Il a donné beaucoup de lui durant ces 4 conférences et à titre gracieux. Et nous vous remercions. Sans papier, sans note. Pour moi, c'était une expérience, une première expérience de créer un cycle pour complexifier le sujet et essayer de l'explorer dans toutes ses facettes. Voilà un petit peu l'idée de ce cycle de conférences. Et bien sûr, ça va nous donner d'autres idées pour faire plein de choses avec l'État prochainement. Et puis avec les cycles d'histoire, voilà, ça on va, et d'ailleurs on va, bien sûr on va proposer ça et puis on va lancer l'idée avec le Soussoufi par exemple. Ça serait formidable qu'on commence ça avec d'autres collègues historiens, pour qu'on puisse. Donc on lance des invitations. Voilà, on va travailler activement à la poursuite de ces cycles. Et avec ça, Khaled, merci beaucoup. Plaisir partagé. Merci.